J'espère que vous allez bien les gars, en tout cas moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online. Donc avant de commencer ce glitch, je tiens à vous préciser que ce glitch ne vient pas de moi et qu'il est possible sur Old Gen et Next Gen. Voilà, donc passons tout de suite au glitch. Donc il consiste à rentrer dans la cabine du train, voilà, du conducteur. Donc je pense que vous êtes nombreux à vouloir y entrer, mais malheureusement vous ne pourrez pas conduire dedans. Donc c'est juste un petit wall bridge comme ça, bien sympa pour s'éclater avec ses amis. Voilà, donc on commence tout de suite le glitch. Donc dans un premier temps vous devrez vous rendre à l'avant du train, donc comme moi ici sur la pointe du conducteur. Voilà, donc le même endroit que moi. Vous devrez vraiment vous mettre comme moi. Ensuite vous allez dans votre inventaire, aller dans Anka et prendre un Icola. Donc il suffit juste de le boire, et là, comme par magie, j'ai commencé à wallbreak, et voilà, je suis dans le train. Coucou papy, comment tu vas? Donc là, une fois que vous êtes dans la cabine, ne vous approchez pas trop des rebords, sinon vous risquerez de sortir du train. Donc, franchement, faites doucement, sinon vous allez sortir du train, et avant de le rattraper, vous allez mettre un peu de temps. Donc vous pourrez tirer sur le chauffeur, il va crever. Vous pouvez toujours essayer de faire triangle, vous ne pourrez pas conduire le train. Donc c'est vraiment dommage. Donc voilà, j'espère que le glitch vous aura plu. Moi je vous laisse sur ces images, je vous dis à la prochaine. Et ciao tout le monde.